Salut les amis, eh ben aujourd'hui je vais vous parler d'un truc cool qui se passe dans ma tête et comment je vis ma vie. En fait, par exemple, là je fais mon café. Moi, mon café, je le pile à la main, mais je torréfie aussi mon café. Je le torréfie moi-même, donc moi j'achète du café vert. Je fais en sorte que ce soit de la meilleure source inimaginable. J'ai du mal d'ailleurs en France, je galère, moi qui ai vécu dans les plantations de café. Donc j'arrive, j'ai beaucoup de mal, je m'efforce, mais bref, j'ai trouvé du bon café vert que j'achète, que je torréfie à la main devant chez moi, sur le feu, et que je consomme frais, etc. Et en fait, moi qui aime faire pousser les plantes, je me dis que chaque grain de café là, eh ben, il a toute une histoire. Il a voyagé, donc d'abord il y a un arbre qui a grandi, qui est sorti d'une petite graine, qui a poussé, qui a survécu à toutes les galères, les intempéries, les machins, les bestioles, les humains, les tracteurs, tout ce que tu veux, qui a réussi à former un arbre. Un arbre qui, au fur et à mesure des années, a donné des fruits, qui a vécu toute une histoire. Et un jour, paf, parmi toutes les baies de café, il y en a une petite, là, qui... Enfin, c'est deux, en fait, par baie. Et ben, poupe, elle fait son chemin, elle se fait laver, elle se fait sécher, elle se fait fermenter, elle se fait sécher au soleil, elle se fait mettre dans des sacs de jute. Boum, on va envoyer en voiture, convoi en voiture jusqu'à l'aéroport, dans l'avion, elle atterrit, boum, stocker, bouger. Enfin bref, elle fait tout un parcours de fou jusqu'à ce qu'elle arrive, qu'elle soit vendue sur le marché, qu'elle arrive chez vous, dans tes mains ou dans un bar, etc. Donc, chaque fois que tu bois un café, mec, pense à ça, pense à l'histoire de chaque grain de café qu'il a fait. Et fais en sorte qu'il y ait eu de l'amour et que de la bonne chose tout au long de sa vie à elle. Là, c'est Donc voilà, beau. je m'en vais boire mon café, moi, sur ce. Allez, bonne journée, les amis. Et puis comme ça, tous les matins, tu viens voir le lever du soleil avec ton petit café. Et la vie, elle est belle. D'ailleurs, hein, si vous... peut-être beaucoup d'entre vous se réveillent avant le soleil. Et moi, je trouve ça super kiffant, quoi. Non, il y a une super énergie, c'est trop beau, quoi. Et c'est un moment précieux. Moi, je me lève très fréquemment à 4h30. Comme ça, je peux faire plein de trucs. C'est pour ça que vous voyez les vidéos le matin très tôt sur Facebook, etc. Voilà, je profite de ça et je me balade avec ma chienne. Quand ta journée commence comme ça, ouh là là, que t'as une belle journée après, mec. Yes! Bon, allez, tu vois le cimetière? Tu peux aller sur le mur du cimetière. Allez, bonne journée à vous, profitez à bloc et buvez du café.